Il est de retour. Il est de retour en Côte d'Ivoire. Docteur Bogan Seko Gervais. Alors, quel est le moment de ici, mesdames et messieurs. Parce que c'est extraordinaire de voir. De voir le père de Moïse, c'est bien. Docteur Bogan Seko Gervais de retour. Oui, je n'ai pas vu que vous la vérité. Il est bel et bien présent. Docteur Bogan Seko Gervais. Docteur Bogan Seko
La seconde partie sera le point de presse. Le président est là. Il est bel et bien présent. Il va donc délivrer son message afin que nos amis de la presse puissent relayer l'information de sources et de souches. Merci. Mais avant cela, la révérende Mireille Kipé, voilà, c'était la force de confier ce moment au Seigneur. C'est là la révérende. La révérende, madame la directrice de communication, voilà. Est-ce qu'on peut ovationner le divin ce soir? Non, je demande à quelqu'un, est-ce qu'on peut ovationner sa majesté, le Dieu de gloire, le Dieu puissant des épreuves, le Dieu qui permet et la chose arrive? Non, je demande à toi, prier celui que je suis venu te présenter, celui qui va prendre place maintenant. Nous allons rester dans cette position et nous allons confier cette cérémonie au divin, au Dieu puissant. Je suis Mireille Kipré, leader de l'église Centre Impact pour Christ d'André. Ferme les yeux et nous prions maintenant. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 7 au verset 12: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a secouru notre nation. Jusqu'ici, l'Éternel a secouru un digne fils de cette nation. Et Ébénézer, car il a gardé dans le creux de ses mains son enfant. C'est pourquoi, Père éternel, ce soir, je veux élever ma voix et te rendre toute la gloire qui est due en ton nom, la gloire qui est due en ton rang, la gloire qui est due à ta majesté, parce que jusqu'ici, tu as secouru ton fils, jusqu'ici, tu as préservé notre leader, oui, le docteur Boga Sapo-Gervais, leader de la fidèle entre tes mains. Nous te bénissons et comme le dit le psaume 100 au verset 5, l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours. Nous le reconnaissons ce soir et nous t'en sommes infiniment grands. Oui, la gratitude est, oui, un mot important pour les enfants de Dieu. Nous en sommes reconnaissants. Merci Seigneur, nous ne pouvons pas, Père, commencer ce moment. Non, nous ne pouvons pas commencer cette cérémonie sans demander que ton Saint-Esprit prenne le contrôle et dirige toutes choses. Parce que Éternel, quand le Saint-Esprit est là, Seigneur, tout coule à flot. Nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle, à manifester sa puissance pendant toutes ces interventions, pendant toutes ces interventions, qu'il soit au contrôle. Merci, Père, de te glorifier encore, divin, roi, majesté. Conduis-nous, éclaire-nous, guide-nous pour ce moment. Nous te passionnons pour dire que nous te laissons toute la place. Nous remercions notre Dieu. Nous remercions le divin qui a gardé son fils, qui a gardé son enfant. Merci Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi amen? Wow. Alors, le moment était confié au Seigneur. Dieu a pris toute la place. Mesdames et messieurs, il est là. Le Dix, la Côte d'Ivoire, est là. On parle de la Côte d'Ivoire. Nous avons notre hymne qui nous unit. Est-ce que, messieurs, dames, on peut encore, à votre permission, se lever pour entonner cette hymne? Tu l'as pas entendu. 1, 2, 3, 4. Salut votre espérance.
Ok, merci. Alors, monsieur le ministre d'État, monsieur Vidal Passy, monsieur Éponon, secrétaire général de l'EDS, madame Pulcheri Ballet de l'ACI, monsieur Cessignon, vice-président du FIDOC France, madame Marie-Thérèse Le Marchand, vice-présidente de FIDOC France, mesdames et messieurs, honorables invités, mesdames et messieurs, chers membres du bureau exécutif de la FIDOC et du CRA d'Afrique, mesdames et messieurs, en vos CRA d'Italie, je voudrais vous dire ce soir que nous avons la présence remarquée et remarquable des pires fils de la Côte d'Ivoire. Docteur Boga Sakho. Docteur Boga Sakho Jambel est un big fils de la Côte d'Ivoire. Je le disais, il y a deux grandes façons de partir de son pays. On peut partir de son pays volontairement parce qu'on a décidé d'étudier ou pour des intérêts économiques ou un voyage d'affaires. Ça, c'est volontaire. On peut aussi partir de ce pays parce que la circonstance nous y oblige, soit pour son opinion politique, son opinion engagée, donc sa sécurité n'est plus assurée. On peut également partir de son pays pour mener le combat. Le pays de la Côte d'Ivoire, docteur Boga Sakho Jambel, enseignant-chercheur des universités, il allait de la Côte d'Ivoire, pas par l'invitation d'Idée de Gala, mais un homme engagé, un homme de paix, un intellectuel, un homme de plus de justice. Il a été contraint de partir de la Côte d'Ivoire. Il est allé à l'extérieur, exilé. Il a poursuivi le combat avec la détermination qu'on lui voulait. Il est de retour ce soir, au versant qu'on lui voulait, s'il vous plaît. Alors, demandez les nouvelles, puisque, comme je le disais, en Afrique, lorsque vous partez, que vous revenez, on vous demande les nouvelles. Alors, ce soir, nous allons demander à quelqu'un qui viendra dire d'abord le mot de bienvenue de la FIDOC, et ensuite, on va demander à un autre monsieur qui viendra demander la nouvelle. Le premier que j'ai cité, il s'appelle Monsieur Saturnin Godet, vice-président chargé de la diplomatie et des relations extérieures, s'il vous plaît. Monsieur Saturnin, voilà, il est là d'accord.
ça. Monsieur le ministre d'État, cher aîné, cher papa, et moi également, mon frère le secrétaire général. Ma sœur Michelie connaît que j'appelle effectivement ce que Dieu m'a donné. Et toutes les autorités ici présentes. Chers amis de la FIDOC, frères, tous ici présents en voie grave égalité, je voudrais au moins, je prends la parole, donner les nouvelles de la FIDOC à notre président et fondateur, Dr Boga Sakho-Gervais, que nous avons encore la joie d'accueillir parmi nous. Monsieur le Président et fondateur de la Fondation Ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, entendons par la FIDOC, très chers frères, comme on le dit chez nous, à Ayok. Ayoka. Merci beaucoup. Merci. Déjà, je vais te dire, Kaï, Yabonaï. Bienvenue à la maison. Vous ne pouvez pas imaginer, cher président, l'immense joie que vous nous procurez à chacune et à chacun de nous ici présents et particulièrement à tous vos collaborateurs et amis de la FIDOC en Côte d'Ivoire. La joie de vous retrouver parmi nous. Tous membres de la FIDOC de la Côte d'Ivoire, auquel s'associent ici bien évidemment les membres de la délégation de l'extérieur, par ma voix, vous souhaitons la bienvenue sur la terre de nos ancêtres. Vous parlez de la vie et des activités de la FIDOC pendant tout le temps qu'a duré votre exil en Europe et aux États-Unis. Il convient de dire que tout cet en réalité est résumé en votre propre personne et dans tout ce qui vous a été donné d'accomplir dans vos multiples voyages à l'étranger, parce qu'en réalité, certes, Dr Boga Sakho-Gervais n'était pas physiquement présent en Côte d'Ivoire, et je pense que chacun l'avait remarqué, il ne résidait plus dans le pays depuis juin 2011, mais vous avez toujours été présent dans la vie socio-politique de notre pays. Car il ne s'est jamais rien produit en Côte d'Ivoire durant ces 10 dernières années qui engageait la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens sans que l'on ne lise un écrit signé du président fondateur de la FIDOC et de Grand Afrique au passage, je vous rappelle, ou que l'on entende sa puissante et élégante voix sur une chaîne de radio ou encore sans que l'on ne découvre son beau visage, tout comme aujourd'hui, d'un air grave, et pas aujourd'hui, sur des plateaux de télévision, notamment sur Events News TV en France, dont le patron, l'ami et frère Tidiane Oula, de retour au pays, a décidé de prendre sa carte pour adhérer à la FIDOC. Nous voulons saluer cela et dire à notre frère qu'il est le bienvenu en famille. Mais surtout, là sont les Ivoiriens et les Africains qui diraient qu'ils ne vous ont jamais vu et apprécié sur la célèbre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Monsieur le Président et fondateur de la FIDOC, chers frères, nous vous disons bravo et merci pour tout le travail abattu pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens.
Vous êtes venus sur un tépono. Pour tous membres de la FIDOC et de Grand Afrique, mais aussi une fierté pour l'élite ivoirienne, pour l'intelligentsia africaine. Aussi, depuis votre départ pour l'exil en 2011, et ce jusqu'en 2019, on peut soutenir sans se tromper, et je serai le premier à le faire, que c'est vous-même qui avez donné à la FIDOC vie tant en Côte d'Ivoire que partout ailleurs dans le monde. Toutefois, il est juste de saluer la présence et l'œuvre remarquable de celui qui a assuré votre intérim de fait. Et je citerai en cela mon bien-aimé frère Maître Kouamene Alain, votre compagnon et frère de longue date, mais aussi votre avocat personnel que vous aviez nommé vice-président de la FIDOC pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Il est aujourd'hui votre conseiller spécial pour les affaires juridiques. Merci, cher frère. Enfin, monsieur le président et fondateur de la FIDOC, cher frère, depuis mars 2020, il vous a plu, aux heures chaudes, de redynamiser la FIDOC au plan national, mais aussi et déjà au plan international, en vous appuyant sur notre sœur, Madame Manuela Legrand, Ophi, ici présente, et je vous fais applaudir, que vous aviez nommé vice-président chargé de la coordination générale des activités de la FIDOC, confiant au bureau exécutif national la mission de préparer votre retour en Côte d'Ivoire. Ce à quoi nous nous sommes appelés sans relâche. Et nous voici à ce jour de votre retour. Ainsi, en ma qualité de vice-président chargé des relations extérieures et de la diplomatie, vous m'avez confié la mission d'informer et de rencontrer les autorités au pouvoir, la classe politique ainsi que la société civile pour leur faire part de votre retour, de votre décision de retourner dans votre pays. Au niveau du gouvernement et autres autorités officielles, nous avons ainsi saisi le Premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement, qui a promptement réagi à la demande d'audience que nous lui avons adressée en transférant avec diligence le dossier au ministre en charge de la réconciliation nationale, que nous avions également saisi. De même que tous les ministres pouvant être impliqués dans le retour des leaders en exil, notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, celui de la Justice et des Droits de l'Homme, celui de la Solidarité, etc., etc. En votre nom, monsieur le président fondateur de la FIDOC, nous voulons réitérer nos remerciements à monsieur le Premier ministre Achille Patrick, au ministre Kouadio Konan Bertin, votre ami et frère, qui s'est personnellement et activement impliqué dans ce dossier, à Madame Sangaré Nanizata, présidente du Conseil national des droits de l'homme, qui a toujours été disponible pour la FIDOC. Nous rappellerons au passage que vous avez vous-même été membre de cette noble institution et que vous avez beaucoup contribué à sa mise en place en tant que secrétaire exécutif de 2007 à 2009, aux côtés de Madame la ministre Victorine Vaudier, qui en était la première présidente. Au niveau diplomatique, la FIDOC a adressé des courriers d'information à la plupart des ambassadeurs, principalement à ceux dont les pays ont un grand respect pour les droits de l'homme et qui abritent chez eux une délégation de la FIDOC ou de Grande Afrique, à savoir l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Danemark, la Suède, le Canada et les États-Unis, principalement. Au niveau des personnalités politiques, la FIDOC a d'abord adressé une demande d'audience au chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, au nom de qui le Premier ministre a donc réagi. Ensuite,
L'adjudication conduite par moi-même a été reçue à Daoufo par le président Henri Konan Prédier du PDC-RDA, par l'honorable et président Georges Amand Oyen du PDS, par l'ex-première dame Simone et Yvette Bako et par bien d'autres personnalités. Enfin, au niveau de la société civile, les courriers ont été adressés à la plupart des ONG œuvrant en Côte d'Ivoire dans le domaine des droits de l'homme. À toutes ces illustres personnalités qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir, parce que nous sommes simplement des membres de la FIDOC et collaborateurs du docteur Bourassa Kogervet, je voudrais ici, en votre nom et en notre nom à tous, encore réitérer nos infinis remerciements. Monsieur le Président, fondateur de la FIDOC, telles sont les nouvelles de chez nous. Telles sont les nouvelles de chez nous. Un résumé de nos activités et démarches pour réussir votre réseau aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais pour terminer, vu dans l'exil, vous avez continué de dénoncer à travers les grandes capitales d'Europe et d'Amérique les injustices, les illégalités et les violations des droits de l'homme qui ont régulièrement cours en Côte d'Ivoire et en Afrique, et que, ensemble avec d'autres compatriotes, dont la brave Ulchérie Edith Mbalé, qui est ici présente. Excellence Zadi, pardonnez-moi. Vous avez créé GRAC Afrique, qui est le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. En Afrique. Groupe dont vous êtes aussi le président et le fondateur. Je souhaiterais, à ce titre, que votre représentant de GRAC Afrique en Côte d'Ivoire, qui est le frère Nestor Okora, et qui siège pour vous au sein de cette institution, au sein de cette coalition EDS, prenne à son tour le temps de vous dire bon retour dans votre pays. Sur ce, je vous remercie. Ok, donc. Voilà, donc il va saluer les personnalités. Voilà. Pendant ce temps, nous demandons à nos amis de Saclo de s'apprêter. Saclo. Voilà, nos amis de Saclo de s'apprêter. Parce que ce soir, c'est la fête. En tout cas, moi, je suis très heureux, président. Voilà, c'est la fête ce soir.